mesdames, messieurs et personnes non binaires, et bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2 de On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. J'ai avec moi, comme d'habitude et confinement oblige sans invité, le pétillant et incroyable Hichamel Amouri. Bonjour. Et je m'appelle Hichamel Amouri. C'est vrai. C'est les bulles. Ce sont les bulles. Ah. Et la sulfureuse et étonnante Ise Brassao. Salut. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment être sulfureuse. Bon, tant pis. Salut. C'est toujours ça aussi bien, hein, l'introduction, je trouve. Hein, vraiment. Ouais. Très à l'aise. J'adore. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Moi, j'attends toujours un petit peu les descriptifs qu'on va me demander. C'est un peu spannend, comme ça, tu vois, j'aime bien. Et c'est ça. Mais voilà, en plus, c'est bien parce que, c'est, tu vois, c'est le truc qui met le ton et tout. C'est important de le kicker tout de suite. Et donc bien, bon. Eh bien, ma super question d'ouverture de podcast, qu'est-ce que vous avez mangé en dernier aujourd'hui? Hicham, t'as mangé quoi en dernier? J'ai mangé une omelette courgette champignon. Waouh, tu fais des omelettes courgettes champignons. Oui. Trop bien. Formidable. Et toi, Ise? J'ai mangé un spéculoos en forme de Saint-Nicolas au chocolat bio. Putain, mais on est le 21 novembre au moment d'enregistrer ce podcast et tu manges déjà des spéculoos Saint-Nicolas? Que du contraire, monsieur, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Saint-Nicolas n'attend pas. Et pendant l'été, j'ai même pas mangé un masse-pain. Honte à moi. Alors, je précise tout de même que c'est la date d'enregistrement, hein, aujourd'hui, la date que Manu a évoquée. Ce sera diffusé beaucoup plus tard et je pense que ce sera pas anachronique du tout au moment où ce sera diffusé. Par ça sort pile dans un mois, il sort le 21 décembre. C'est pas anachronique du tout. De quoi tu te plains, Manu? C'est vrai, je suis désolé. Mea maxima culpa. Bon, eh bien, bienvenue, mesdames, messieurs et personnes non binaires. On n'a rien préparé. C'est 30 minutes d'émission. C'est 3 improvisations. C'est des contraintes qu'on se met les uns les autres pour votre plus grand plaisir. Et ça commence tout de suite avec une première improvisation qui nous est présentée par Ise. C'est juste. Et je vais vous proposer une improvisation rimée, messieurs. À la fin de la réplique de l'un, l'autre doit rimer avec la... C'était très mal expliqué. Ça commençait bien pour un marabout, mais pas pour une rimée, quoi. Écoutez, ça doit rimer. Voilà, laissez-moi tranquille. Ça va rimer. Et vous aurez un mot pour vous inspirer, bande de nouilles, et ce sera tango. Allez, c'est parti! Alors Edouard, qu'est-ce que tu penses? Ce cours de tango, c'est ta dernière chance? Oui, je viens, mais c'est un peu entraînant des pieds. J'avoue, je suis pas très motivé. Si tu crois que tu vas pouvoir draguer comme ça... C'est toi qui veux que je drague, moi je ne le demande pas. Mais enfin, écoute, je me marie dans 2 semaines et tu es mon témoin. Alors j'aimerais qu'au moins de loin, on puisse se dire que tu danses mieux que ma marraine. Écoute, mon cas est désespéré, je te le dis, ça n'en vaut pas la peine. Et qu'est-ce qui te dit que je veux avoir une cavalière ? Si tu préfères avoir un cavalier, c'est ton affaire. Mais je nous ai inscrits, alors tu vas venir. On va voir, et je peux te dire qu'une fois qu'on aura terminé, tout ce que tu feras, c'est me remercier. Bon, j'imagine que ça ne sert à rien de tergiverser, autant s'y mettre, comme ça sera plus vite achevé. Parfait. Alors, t'as tes affaires? Attends, mais dis pas que tu veux danser comme ça. Quel enfer.
Tu m'as jamais je m'avais pas prévenu qu'il fallait un costume. Et quoi, après quoi, sur le cul, je dois me mettre une plume? Je suis venu dans des vêtements confortables, ça me paraît suffisant, j'essaie d'être agréable. Mais non, mais tes habits sont pas confortables, t'as un jeans, t'es tout serré, ça va être lamentable. Tu vas craquer de partout. Messieurs, le cours commence, s'il vous plaît, mettez-vous en rang, vous. Bon, allez, tu fais comme je fais, tu suis ce que je te dis, et tout se passera bien, je te jure, mon ami. Oui, ou alors je suis le professeur, après tout, c'est pour ça qu'elle est là pour une heure. Mais messieurs, après une telle démonstration, je ne puis que montrer mon approbation, vous êtes ma foi prêts. C'est vrai ? Le tango. Je ne pensais pas avoir ça en moi. C'est inattendu. N'est-ce pas? Le tango, c'est l'instinct. Croyez-moi. Fin de la pro. Ça va, Manu, tu t'en sors? Oui, j'ai fait exprès. Quel gros menteur. Hicham, tu représentes le plus gros cauchemar qui pourrait m'arriver, parce que si je me marie, je veux que mes amis dansent, mais je suis sûre qu'ils ne voudront pas. Mais pourquoi, comment ça, si tu te maries, c'est pas une fête où chacun doit s'amuser, et que, pourquoi contrôler les gens? Pourquoi vouloir contrôler les gens, hein? Que les gens s'amusent, envie de danser. Oui mais si personne ne danse, moi je peux justement pas danser. Mais c'est l'inverse, si c'est ton mariage, c'est toi qui décides, enfin c'est toi qui décide l'ambiance qu'il y a en gros. Et donc si tu te décides, je veux danser, tu danses et voilà, non? Enfin, hein, je dis rien, hein? Ne crois pas que tu vas échapper à mon flash mob, Hicham. Ne crois flash pas mob, que tu vas échapper. Ok, donc voilà, on apprend que Ize va se marier un jour. Peut-être. avec qui? C'est la question. j'essaie d'ouvrir la voie du ragot, c'est tout. Oui, c'est ça, ouais. Prochaine improvisation. Si tu savais. quoi, tu sais déjà, toi? Mais justement, non. Eh bien, nous arrivons à la deuxième improvisation de cet épisode, et c'est moi qui vais vous présenter une improvisation JDR. Oui, donc les gens qui ont l'habitude du podcast savent que nous avons déjà fait une impro JDR, que j'adore le JDR, que je parle beaucoup de JDR dans mes coups de cœur et que j'ai décidé d'en faire des improvisations spéciales. Alors aujourd'hui, on va utiliser une autre chose que les gens qui font du jeu de rôle aiment beaucoup utiliser en jeu de rôle, ce sont les tables aléatoires. Dans les tables aléatoires, en fait, c'est plein de petits éléments qui aident à colorer ce qu'on dit ou ce qu'on fait en fonction de l'univers dans lequel on joue. Et donc là, justement, je vais tirer 2d6, donc 2d à 6 faces, qui viennent d'un jeu qui s'appelle Sur les frontières, qui est un jeu de Manuel Bédoué, assez incroyable. Je vous invite à aller le découvrir, mais je ne vais pas en parler maintenant, malheureusement, parce que ce n'est pas le sujet de cette impro. C'est pas le coup de cœur. Ben non, mais vraiment, allez-y, c'est très bien. Et puis à la moitié de l'improvisation, je mettrai l'impro en pause et je tirerai un événement aléatoire qui va arriver pendant votre impro et qui va un peu bouleverser les choses. Voilà. Oh non. Cool. Aussi. J'ai peur. Alors, votre élément de départ, c'est une statue de l'empereur qui est maudite. Vous êtes prêts? Ouais. Eh bien, c'est parti! Cronune, ramène la Javel, ça va jamais partir si on n'utilise pas des produits puissants. Xion, c'est lourd. Ah oui, mais écoute, voilà, le guano, il faut de la Javel. Si on met pas de Javel, le guano il part pas. Et si le guano il part pas, la statue de l'empereur elle ressemble à rien. Et si la statue de l'empereur elle ressemble à rien, qui c'est qui va payer? Oui, bon, bah ok, bah vas-y, maintenant que je les ai portés jusqu'ici, mais on reverra cette règle du plus, le plus jeune porte les affaires, hein, parce que moi, je trouve ça très inégal. Écoute, Cronune,
J'ai à présent 488 printemps. J'ai plus l'âge de porter des bidons de Javel de 15 litres, ok? Et 212, c'est très louable, ok? Oui, bah oui, mais peut-être, mais toi encore, tu as tes muscles, voilà. Hein, En plus, surtout par ces temps-ci. Franchement, j'aurais pu en vivre que 100 des années, vu les conditions pareilles. Évitons de trop en parler, hein. Les gardes du palais sont toujours quelque part à écouter ce qu'on se dit. Mais quoi? J'en ai marre, moi! Écoute! Tu crois que je suis heureux, moi? C'est comme ça que ça s'est passé. Notre peuple a perdu la guerre, nous en sommes là. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes une sous-caste. Alors maintenant, tu prends ton éponge et tu frottes le guano! Putain. Ah non, mais regarde, ça y est, elle vivra à nouveau, toutes les mouettes vont revenir et il va y avoir à nouveau du guano partout. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Tu sais que certains, ils en disent des légendes hein, sur cet événement. Tu sais, Cronune, ce ne sont pas des légendes. Quoi? Juste avant la défaite de notre peuple, les chamans se sont réunis et ont lancé une malédiction sur cette statue. Depuis... Tu dis n'importe quoi. Ah, regarde. Regarde-moi effacer cette trace de guano. Oui. Cette statue est destinée à être couverte de guano pour l'éternité. Et dès qu'on en enlève un peu... Alors arrêtez de l'empêcher de se couvrir. Oh non, pas lui. Oh non... Mais vous le savez, tant qu'elle ne sera pas couverte de guano, nous ne retrouverons pas le bonheur collectif. Tu sais très bien que les gardes sont potentiellement à côté. Tu te tais. Non, Cronune, non, Xion. Il faut que nous prenions parti. Il faut que nous aidions la statue à nouveau resplendir de guano à force de briller. Elle nous met dans la servitude. Il marque un point, à quelques exceptions près. Enfin voilà. Xion, visiblement ça change rien qu'on nettoie ou qu'on nettoie pas. Moi je suis d'accord avec Vastek. Alors que ces discussions commencent, arrive un événement incroyable et qu'on ne pouvait pas prédire. Une pluie de merde. J'ai très envie que ce soit ça. Eh bien, c'est une attaque de bêtes qui arrive brutalement. Ça fait bien les choses. Attention, eh bien, on va repartir. De toute façon, si on ne nettoie pas, on nous passe par les armes. Alors, on n'a pas trop le choix. Oh, elles sont revenues. Oh, c'est la reine. C'est la reine elle-même. Attendez, je vais préparer mon matériel pour l'accueillir au mieux. Non, Vastek, cours, Vastek. Attention, Vastek, elle va chier. Oh mon Dieu, Vastek. Vous essayez de nous effacer. C'est son idée. C'est votre idée, petite crasse. Cronune, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? De la javel! De la javel dans mes yeux! Non! Du guano royal! Ne sentez-vous pas votre peau fondre? Ça, c'était malin, Xion. Je n'ai aucun mérite. C'est la reine des mouettes. C'est la malédiction et la prophétie qui ont tout fait. Vite, allons regrouper les nôtres. C'est le moment de prendre les armes et de reprendre notre liberté. Ah, finalement, j'en pouvais plus d'essuyer. Fin de l'impro. Mon Dieu, donc c'est une... Et c'est comme ça qu'est née la révolution. Voilà, avant cela, il n'y avait jamais eu de révolution. Jamais non. Du monde. Il n'y avait qu'eu des mouettes géantes qui soumettaient les humains en chiant sur des statues. Franchement, pour m'être fait chier dessus il y a quelques jours, c'est assez humiliant. Ah bon? Ouais, mais c'était pas par une mouette, c'était par un pigeon. Beaucoup plus probable à Bruxelles, j'imagine. Bah quoique, près de là où j'habite, il y a des étangs et il y a plein de mouettes. Ah ouais. Parce que...
Grâce à cet indice, saurez-vous deviner où vit Manuel le Père? Près d'un étang. Bravo! Eh bien, cette merveilleuse note, nous pouvons passer à la troisième improvisation du jour qui nous est amenée par Monsieur Hicham El Amour. Oui, c'est moi. Je fais ça à chaque fois. Maintenant, c'était pourri parce que je me suis rendu compte que je le faisais à chaque fois. Et donc, je fais le genre, oui, c'est moi. Et je fais genre, non, tu l'as fait encore. Thématique. Et... Oui, c'est moi. Hicham El Amour. Hicham El Amour. Oui, je sais, tout le monde le sait. Espèce d'imbécile. Trop mignon. Je vais vous présenter une improvisation en variation de style. Ils vont commencer une improvisation et je vais interrompre l'impro pour pour proposer des styles dans lesquels ils vont devoir continuer la même histoire. Pour inspirer, ça va changer. Et des styles. Inspirer, expirer. Ils vont devoir respirer pendant toute l'impro parce que sinon ils vont mourir. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Il paraît que c'est recommandé par tous les médecins de respirer au moins 10 fois par minute. Ah bon? Ok, je vais vous donner un mot pour démarrer cette improvisation. Et ce mot est pastoral. C'est un mot général aléatoirement. Donc voilà. Pastoral. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais, ouais. Ok, c'est parti. C'est là que je devais le mettre, c'est là? Je crois bien, oui. Et puis, moi, cet énorme chandelier, c'est ici que je devais le placer, hein, c'est bien ça? Bah, attends, mets-le près du portrait du maître, peut-être que c'est là. Ah oui, mais alors la roue, tu peux la mettre en face du portrait du maître plutôt, non? Comme ça, c'est comme s'il la regardait. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Risque de... Oh, Francis, quel métier nous faisons. Mais oui, Zibline, c'est vraiment un métier de dingue. Pause. vous allez continuer cette improvisation à la manière d'un sitcom des années 90. Mais heureusement, Zibline, une fois que le maître aura trouvé le bel arrangement que nous lui avons fait dans sa salle de prière, il va nous donner la plus grosse promotion de l'année. Et avec cette promotion, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? On va aller de la poubelle sur la plage avec des pina coladas. Pina colada. Pina colada. Colada. Mais Francis, qu'est-ce que t'as fait? Dibline. Mais regarde, il y a un bout qui est cassé. Et regarde le bout cassé. Pause. Vous allez continuer à la manière d'un récit steampunk. Misère. Je ne vois qu'une seule solution, Francis. Il va falloir retourner dans le temps. Mais oui, Zibline, tu as raison. C'est ce matin que j'ai cassé le petit bout de la roue du maître. Accroche-toi à ce souvenir, je vais appuyer sur ma montre. Oh, regarde, nous sommes là, en train de nous réveiller. Juste en face de nous. Oh, mais j'ai entendu quelqu'un dire que si on se voyait, après ça créait des paradoxes et que ça foutait toute la continuation spatio-temporelle en l'air. C'est vrai, Zibline? C'est vrai, c'est vrai. Cachons-nous derrière ces statues. Okay, pause. Vous allez continuer cette improvisation à la manière de théâtre de boulevard. Oh là 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 là, Zibline, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai bien dormi, Francis! Oh! Mais quoi, Zibline? Francis, pendant un moment, j'ai cru vous voir en face de moi. Mais c'est intéressant, Zibline, parce que... Est-ce que ce n'est pas le bout de votre jupon qui disparaît derrière ce pilier? Voyons!
voyons, mon jupon est juste ici, vous le savez bien, Francis, vous le souleviez encore hier. Oh, Zibline. Oh, Francis. Bon, je vais aller m'assurer que tout est prêt pour la mise en place de la salle de prière du maître. C'est vrai, je vais me charger de la roue. Non, surtout ne touche pas. Pardon? Tu vas la casser, après ça tu vas tout foutre en l'air. Stop. Vous allez continuer cette improvisation à la manière d'un film noir. N'étais-tu pas en train de surveiller l'arsenal? Et maintenant je te vois en face de moi en train de me prévenir d'un incident. C'est compliqué, Zibline. Tout ce que je peux dire maintenant, avant que l'autre n'arrive, c'est que si tu touches à ces trous, le destin de pas mal de gens dans cette ville va être foutu en l'air. Et ce sera pas avec des somnifères que tu combattras ça, si tu vois ce que je veux dire. Oh, encore cette vieille histoire. C'est toujours la même histoire qui nous hante, Zibline. Oh, mon jupon, lâche-le, Francis. Non, Zibline. Non. Pas avant de t'avoir volé ce baiser, Zibline. Stop. C'est un excellent moment pour changer d'ambiance. Et vous allez continuer à la manière d'un récit de cap et d'épée. Francis, je dois te prévenir que depuis ton conseil de ce matin... J'ai des doutes sur le déplacement de cette roue. Ah bon, Zibline? Mais pourquoi donc? Mais ce matin encore, tu me disais de me méfier et je te vois maintenant la porter. Mais non, ce matin, je suis simplement allé surveiller l'arsenal pendant que toi, tu t'assurais que la roue était prête au transport. Et maintenant quoi? Tu veux dire que peut-être quelqu'un qui me ressemblait beaucoup t'a prévenu? Ou alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui ressemble beaucoup à mon Francis. Comment, Zibline? Sortez donc votre épée. Prouvez donc qui vous êtes. Chling. Mais non, Zibline. Regarde. C'est une erreur. Cling, cling, cling. Non, arrêtez, vous allez cling, clac. Ah, cling, cling, regardez. Vous avez cassé un bout de la roue. Cling, cling, mais arrêtez donc. Cling, cling. C'était avant que vous ne le fassiez vous-même. Francis m'a appris. Mais je suis Francis. C'est les hommes du cardinal qui ont dû vous ding ding mystifier. Après tout, ils sont les rois ding 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 du déguisement et ah. Oh Zibline, vous avez toujours été plus fine lame que moi. Je le sais bien. Et maintenant, je vais prévenir le maître que vous avez fait un travail sournois et je trouverai le véritable Francis et vous serez viré. Ok, fin de l'impro. Pauvre Francis. Aïe, aïe, aïe. Putain, on a fait l'impro avec du voyage temporel. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un truc aussi bien ficelé, en vrai. Ouais, le top du top, ça aurait été que là, au final, tu vois, ce soit juste la même situation que la situation de départ. Oui, tout à fait. Comme quoi, on a beau essayer d'imprimer notre volonté sur le monde, le destin fait qu'on finit souvent par s'asseoir dans le même caca. Ça aurait été la morale, mais ce n'est pas la morale, parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est fini. Et non. Non, c'est pas comme ça. Et c'est ouf, t'as quand même... Des propositions de mots, des générateurs de mots aléatoires qui sont vachement aléatoires, quoi, parce que... Ah ça, pastoral. Pastoral, oui, oui, pastoral, bah c'est le fameux site Palabras Aleatorias. Ah, et bon, généralement, j'en génère 8 et j'en choisis un parce qu'il y en a qui sont vraiment pourris. Donc là, je viens de générer jaugeur. Je sais pas ce que ça veut dire. Jaugeur. Je crois que la dernière fois, j'avais un truc genre belette, tu vois. J'étais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec belette? Ça va, moi, je vais faire un papillon. L'ambiance du boulevard était chouette. Oui. Merci. Et le film noir aussi, c'est très réussi. Oui. Oui, mais c'était court. C'était intense à chaque fois. Ah, ouais. Désolé, I am an impatient man.
C'est ça, un zapper, quoi. You are. Un zapper. Tiré de la fameuse BD. Ma vie est un cosplay de cette BD. Ah, j'ai pas la ref. Oh, moi non plus. T'as pas la ref, les zappers. C'est pas bon. C'est mauvais, donc c'est pas, tu ne verras pas grand chose. Ah, ça bon, bien sûr, sur cette très belle référence culturelle, nous allons passer à la prochaine improvisation de ce numéro. Après, c'est les coups de cœur, en fait, Manu. Eh bien, nous allons passer au dernier fragment qui n'est pas le dernier fragment, qui est le prochain segment de il cette. Oh là là, regarde comment il essaie de se venger là. En rappelant mes erreurs passées. Mais il fait bien, hors du. Mais oui, oui. Ah bah, super ambiance. J'adore. Et le premier coup de cœur est donné par Ise Brassel. Ise Brassel, coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur aujourd'hui est un coup de cœur musical parce que je me suis replongée récemment dans la musique celtique qui est un petit peu mon amour de toujours. Et je me suis replongée dans la musique de Julie Fowlis et ses plus vieux albums. J'aime beaucoup, beaucoup cette artiste. C'est entre autres celle qui a composé et chanté les chansons dans Brave de Disney. Mais elle fait tellement plus que ça. Elle chante en gaélique et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, si vous voulez, une ambiance posée, mais aussi, comment dire, j'allais dire une ambiance talentueuse, mais ça n'existe pas. Une ambiance virtuose. C'est bien. Bref, allez écouter pour savoir ce qu'il entend par une ambiance virtuose. je sais pas. En tout cas, allez écouter, c'est vraiment cool. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, moi, mon coup de cœur du jour, c'est pour un jeu vidéo auquel je joue beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Slay the Spire. Ah, ok. Ah, oui. Tu pensais à quoi? Tu pensais à autre chose? Hades. Ah, ben oui. Hades, c'est très, très bien, mais on en parlera peut-être une autre fois. Ah, ouais, ça sera sans doute. Toi, tu en parleras maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, donc, mon coup de cœur du jour, c'est Slay the Spire, qui est un jeu vidéo développé et édité par Megacrit. Et donc, c'est un jeu de construction de paquets de cartes, ce qu'on appelle un jeu de deck building. Hein, donc, on commence avec un paquet très basique et petit à petit, en fonction des rencontres qu'on va faire tout au long de l'aventure, on va avoir l'opportunité de prendre des cartes supplémentaires et donc d'améliorer notre deck, de le construire petit à petit, etc. Alors, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Moi, j'adore le deck building. Donc, c'est pas du deck building comme dans Magic, où il y a des centaines de milliers de cartes qui existent et il faut que tu constitues ton deck avant de commencer l'aventure. Là, c'est vraiment petit à petit. Tu as à chaque fois le choix entre trois cartes et tu en ajoutes une à ton deck. Et donc, petit à petit, tu construis ta stratégie, etc. Il y a quatre classes de personnages qui ont chacune des cartes dédiées et donc des decks différents. Et vraiment, c'est un jeu d'une finesse et d'une rejouabilité qui est assez incroyable. Oui. Il y a des côtés basiques, notamment l'animation des monstres. Bon, à la fois, les monstres sont très beaux, les dessins des cartes sont très chouettes, mais les animations sont un peu pourries. Mais il a des avantages qui dépassent très, très largement ses défauts. Donc, je ne peux que vous recommander. Okay. Oui, c'est un très bon jeu. J'ai joué beaucoup trop. Oui, il a un côté très... parce que comme il y a un côté où à chaque fois tu peux recommencer, il est un peu sans fin. Et donc tu peux y passer des heures sans faire gaffe, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment trop trop bien. Ouais. Voilà. Hicham, quel est ton coup de cœur du jour? Mon coup de cœur, c'est pour un groupe de musique. Ah oh, c'est très vital. En plus, j'ai failli faire un groupe de musique aussi, moi, ça aurait fait 3 sur 3. Ah bah bim, vas-y. Bim. Le groupe que je propose s'appelle Sungazer, Sungazer. C'est un duo d'électro-jazz new-yorkais. C'est en gros un truc de la musique assez progressive avec avec des éléments de jazz, mais également des éléments de musique 8-bit, de musique électronique. C'est vachement chouette ce qu'ils font. Ils n'ont pas énormément de musique à écouter. Ils ont deux espèces d'EP de 5 morceaux, mais leur musique est dingue. Et le bassiste est également youtubeur, et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un youtubeur que j'aime beaucoup et que je suis pas mal et qui m'inspire beaucoup pour la musique. Je peux vous faire écouter un bref extrait d'un de leurs morceaux que j'affectionne particulièrement pour peu que je sois prêt à le faire passer, qui s'appelle Sequence Start. YOLO, on s'en fout des strikes YouTube.
Ok, voilà. Ça, c'est un extrait de Sungazer, d'un morceau qui s'appelle Sequence Start et qui est vachement bien. Un très bon. Oh, bien, chouette. Et c'est un peu, ça me fait pas mal penser à Glu. Tu connais Manu Glu ou pas? Ah oui, très bien. Oui, très bien. Ouais. Ouais, bah ça me fait un peu, c'est un peu dans le même, je dirais, ballpark de genre de musique, je dirais. Ah oui, très bien. Eh ben, parfait. Eh ben, allez écouter ça, c'est top. C'est top. Moi, j'aime bien en plus découvrir des artistes comme ça que j'aurais pas découvert autrement. Donc j'irai écouter. Eh bien, avant de nous quitter, il nous reste à parler du Tipeee du jour. Et puisque nous avons fait une improvisation JDR, ce sera un Tipeee JDR. Vous rentrez dans la salle. Vous trouvez un ordinateur avec une clé USB posée à côté. Vous insérez la clé USB et écoutez un épisode d'un archéo MP3 nommé « On n'a rien préparé ». Vous avez aimé. Vous avez le choix. 1. Partagez à vos réseaux intergalactiques. B. Tentez de retrouver les auteurs sur les réseaux sociaux archaïques pour leur communiquer que vous avez apprécié leur œuvre. C. Entre parenthèses, nécessite au moins un crédit sur votre compte. Fermez la parenthèse. Allez sur tipeee.fr et donnez de l'argent à cette communauté en espérant qu'elle survive toujours et qu'ainsi vous puissiez l'aider à prospérer. Entre parenthèses, permet amélioration qualité podcast plus 1. Fermez la parenthèse. Dernière possibilité, fermez l'ordinateur et partir. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je suis en train d'enregistrer un podcast, en fait. Voilà ce que je suis en train de faire. Mais, Ok. Et bah, du coup, on peut... Oh mon Dieu, c'est Inception, on est revenu dans la clé USB. Eh bien voilà, qui clôture ce 16e épisode. Ça devient de plus en plus chelou, cette histoire. Ce 16e épisode de la deuxième saison de On n'a rien préparé. J'espère que ça vous a plu, parce que moi ça m'a plu. Moi j'aime bien faire ça avec vous. Est-ce que tu parles de coup de cœur en particulier ou de tout? De tout, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'aux ennuis techniques qu'on a eus pour ce podcast. J'aime tout dans ce podcast. Qui ne seront pas détaillés. Peut-être. Mais peut-être. Qui ont été douloureux. Oui, qui ont été très douloureux, on peut le dire. Bon, est-ce que Ise, tu as un petit mot de la fin? Pomme de pain. Merveilleux. Est-ce que Hicham, tu as un petit mot de la fin? Vélo. Vélo. Eh bien, moi, mon petit mot de la fin, c'est Noël, parce que nous sommes le 21 du 12 au moment de la diffusion de ce podcast, la semaine de Noël, et je peux vous promettre que pour la semaine prochaine, Onarp vous réserve un très très beau cadeau de Noël. Alors prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.